Bonjour à toutes et à tous, c'est Lunarctique pour un nouvel épisode, pour le premier épisode plus exactement de News PBE. Alors que signifie News PBE? Quelle est cette émission? Quel en est son concept? Nous allons découvrir ça tout de suite. Alors News PBE, qu'est-ce que c'est? C'est une émission où nous relaterons, où nous regarderons, étudierons toutes les mises à jour majeures du PBE. Je dis bien majeures, j'expliquerai cela plus tard pourquoi. Donc il y en a plein de mises à jour, toutes les semaines, tous les 3-4 jours, ils sortent des mises à jour sur le PBE. Le PBE c'est le Public Beta Environment, l'environnement bêta de League of Legends en fait, où toutes les mises à jour possibles de League of Legends sont sorties un peu plus tôt. Ah, il veut pas me lâcher lui. Sont sorties un peu plus tôt que d'habitude, tiens, connard. Sont sorties un peu plus tôt que sur le serveur officiel pour les tester par des bêta-testeurs. Et donc, les créateurs de League of Legends se font plaisir de créer ce qu'ils veulent comme mise à jour. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai un ping important. Pourquoi? Parce que ces serveurs sont situés donc aux États-Unis d'Amérique. Et quand nous jouons des Émirats Arabes Unis, ce n'est pas facile de jouer. Vous le devinerez bien forcément. Enfin, c'est tout à fait normal. Alors, je veux qu'il me frappe, comme ça je chope un kill. Alors, aujourd'hui, donc, nous passerons par différents... mises à jour qui ne sont pas encore instaurées donc et qui ne seront pas forcément instaurées. Attention, le PBE ne veut pas dire attendez, je vais choper la citation de Morello, un des créateurs de League of Legends. Remember, PBE are not patch notes. Ce qui veut dire en anglais farouchement précisément traduit que tout ce qui est du PBE ne sera pas forcément instauré. Mais c'est pas les patch notes qui seront instaurés. Voilà. Donc ceci est placé, vous êtes au courant donc. Oh là là! Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous testons en premier? Le skin de Blitzcrank, le High Blitz, le skin nouveau de Blitzcrank qui sortira donc, lui c'est sûr, tout ce qui est skin sortiront dans les prochains jours. Et donc nous testons le nouveau skin de Blitzcrank. Pour l'instant, je ne vais pas tout vous montrer, donc vous pouvez voir déjà. Alors je pense qu'ici c'est un petit problème que nous avons hein, au niveau de l'affichage, au niveau de la barre de vie en bas. Sinon, nous avons ici, comme vous pouvez voir là, un changement de la barre de vie. Alors il y a eu pendant un moment un petit changement où en fait au lieu d'avoir un trait comme vous savez tous les voilà, tous les centaines de points, c'est si était le cas, tous les 100 points nous avions un trait qui représentait donc la vie. Nous avons maintenant modifié LOL pardon, les Riot Games a modifié cela d'après ce que j'ai compris. Parce que Sona, si on prenait cet exemple, Sona qui avait 400 points de vie au départ se retrouvait seulement avec 2 traits, ce qui est assez gênant quand on compare à ce qu'il y a maintenant. Donc voilà, changement ici. Nous pouvons voir, est-ce qu'il y a un changement d'interface? Non. Maintenant, nouveau changement qui est assez important. Donc... Ah, c'est trop... Oh bah, hop, bah, bon. Alors c'est ça. Voilà. Vous voyez. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais m'écarter. Si par exemple je me mets ici, je veux ping, attention, je suis en train de faire ce baron. Enemy missing. On ne sait plus d'où est l'ennemi, ce qui est très intelligent parce que souvent il y a des problèmes de communication et maintenant c'est écrit dans le chat, c'est souligné dans le chat, c'est très important en teamfight. Par contre, il va falloir vous rappeler rapidement, ça veut dire hop, là faut m'aider, là faut arriver, donc ça veut dire, ah c'est génial, ils écrivent le nom dessous, donc si par exemple... Vous arrivez, vous allez faire... Alors, je découvre en même temps que vous, je vous préviens, j'ai pas fait forcément le... Si, par exemple, vous arrivez en bot lane, parce qu'il y a quelqu'un, vous faites tac-tac, on my way, et là, Blitzcrank, ça veut dire Blitzcrank est en train de venir, ce qui est génial comme mise à jour, autant vous dire tout de suite. Là, c'est danger, c'est attention, quelqu'un est en train d'arriver. Ah, il y a toujours le... C'est... Ça ne fait plus le bruit, mais les pings sont assez gros sur la minimap, vous pouvez voir... Olé là! Ah, je me fais défoncer. Ah! Ah! J'ai pas d'objet aussi. Eh! Donc, voilà. Vous avez donc vu ce qu'on peut faire. Il y a donc 4 possibilités qui sont Danger, Enemy Missing, Assist Me ou On My Way. Alors, nous verrons même maintenant une petit signal arriver. Voilà, donc si je fais Alt, voilà, pareil, Alt-Click, G normalement.
Donc voilà, mise à jour qui est pour l'instant assez bien. Ça va être pratique, hein. Vous êtes le jungler. Hop, je gank mid. Boom, on my way. Ah, ah c'est génial. Bravo. Alors là, je félicite Riot qui a eu une très bonne idée ici. Ensuite, donc nous allons maintenant étudier le skin plus en détail. Alors, je me mets ici histoire d'avoir peut-être un peu de d'XP. Ça serait pas mal parce qu'il me faut mon niveau 5 pour monter tous les sorts. Et donc, Blitzcrank. C'est parti. Donc, il existe. Donc. Voilà, donc la danse de Blitzcrank qui ne change pas, hein, juste vu le changement du skin, nous avons un changement. Voilà, ce n'est pas trop de changement. Et maintenant, nous allons passer donc tous ces sorts. Vous l'en avez peut-être déjà un peu aperçu. Le grappin que voici. Hop! Donc, vous connaissez certainement Blitzcrank. Nous avons maintenant son E où il va arriver et venir taper l'ennemi droit dessus. Ensuite. L'ulti qui est assez similaire au reste du reste du truc et des autres fois pardon les autres skills et le Z, le boost de vitesse de Blitzcrank qui là a un système qui oui vole, Blitzcrank vole maintenant, il pèse 400 tonnes vu que c'est un robot mais il vole. Voilà, nous allons maintenant essayer de passer peut-être par le casse-shop. Quel grab! Oh là! Hop, je l'embrasse. Allez Swain, allez, allez, allez mon petit, bichonou, allez mon petit bichonou, j'ai plus de mana, j'ai plus de mana. Et voilà. Donc maintenant nous allons peut-être passer un peu au shop, vu que je n'ai pas d'autres choses à montrer. Faites voir si j'ai quelque chose à montrer. Non. Alors, est-ce qu'il y a des changements? Il doit avoir certainement des changements au niveau du shop. Je vais regarder parce que je connais le Homewrecker. Alors, a-t-il eu un nerf? Je crois que son prix était baissé, mais savoir. J'ai pas forcément toutes les informations parce que je tire ça d'un autre site web. Donc, j'ai pas tout. Alors, attendez, je vais essayer de trouver les autres. Ah, alors, il y a des nouvelles aussi importantes dans League of Legends. C'est Queens. Queens qui sera une jolie petite fille. Vous aurez droit à un screenshot à ce moment-là. Je prendrai l'image qui est donc Queens, le nouveau personnage de LoL qui a été dessiné. Attendez, j'ai. Ouh, mince. Qui a été dessiné. Et qui donc rend un effet assez joli sur l'image. J'ai mon image avec vous ici. Ensuite, je vais essayer de retrouver les nouvelles news du PBE en faisant une recherche de dernière page parce que on n'en a pas eu pas mal encore du PBE. Je regarde tout ce qui s'est passé durant la semaine dernière. Ça fait pas mal d'émissions, une longue nuit d'émissions, mais c'est pas grave. Donc nous sommes le 13, le 11. Ah, alors voilà, nous allons maintenant passer sur les différents changements que vous pouvons voir. Donc si on regarde ici, donc c'est en train de se charger, je vais faire mes achats pour l'instant. On va run full vitesse de déplacement juste pour rigoler parce qu'on s'ennuie un peu. Non mais en fait je suis sur Google Chrome en train de chercher autre chose, les informations. Donc ça non. Ah voilà, donc les changements, oui, voilà, il y a donc des changements de. Il a quand même un sacré burst, Blitzcrank, hein, je trouve. Alors voilà. Tadam, tada, tadam. Alors, si à un moment, si je regarde ça. Voilà, alors alors je connais pas son nom en français, vous le connaissez, ce qui se fait à partir de la Banshee, de la BF Glaive. Alors, son prix a été réduit. Si vous regardez donc le truc officiel, son prix est normalement supérieur à cela. Ah oui! Les fameuses icônes qu'il faut que je vous montre aussi, j'ai oublié.
Si par exemple, ah mais j'ai pas le bon perso pour ça. Si je dois l'avoir avec. Donc ce que je vais vous demander de regarder clairement, c'est la prochaine fois que j'ai mon ulti, je m'approcherai d'une personne et je vais faire mon ulti sur la personne. Et en fait, il va tout simplement se prendre, avoir un petit icône sous sa barre de mana, sous sa barre de vie, qui indique qu'il est silence. Et ça sera cela pour tous les, comment ça s'appelle, tous les champions. Tous les effets, excusez-moi. Donc si vous êtes taunt, vous avez un cœur. Taunt, pardon, je sais plus exactement ce que vous avez. Stun, vous avez une vague, enfin, etc. Il y a plein de trucs. Regardez là, vite fait, attention, vous êtes prêts. Boum! Là, vous avez vu la barre où il pouvait... qui signifiait qu'il était silence. Hop, voilà, je joue un peu avec elle. Vous avez vu donc qu'il était silence, et cela donc signifie tout simplement qu'il est attaquable. Boum! Donc voilà, vous avez vu différents effets, donc j'essaierai de me faire cage ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais quand vous êtes stun, donc vous avez des effets sous cette barre. Sous cette barre, là vous voyez, hop, il ne peut plus parler, il est silence. Je vais aller voir en bas, il y a du stun normalement, hein, en Warwick Morgana. Alors il y a une différence entre le stun et impossible de bouger. Si par exemple vous prenez la cage de Lux ou de Morgana, vous avez une impossibilité de bouger. Et donc cela est symbolisé par par un pied qui dit tout simplement, ne pouvez pas bouger. Je vais essayer de trouver ça ailleurs parce que avec Lux ça devrait aller. Ou excusez-moi. Alors, nous allons bientôt passer dans un nouveau mode. Donc non, je pensais que le zoom était un peu plus propre, un peu plus joli à voir. Ah, toujours aussi marrant, plus qu'en gage. Ah, bam! Je veux qu'il me cache, je veux qu'il me cache. Cache-moi, 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 cache-moi. Cache-moi, cache-moi, cache-moi. Allez, arrête de déconner. Oh là là, c'est pas... Voilà, je ne peux plus bouger. C'est juste ce que je voulais. Maintenant, je cours. Grab of the wind. Et je cours. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce skin de Blitzcrank. On se retrouve tout de suite pour étudier le skin de Jace. Allez, à tout de suite tout le monde. Bonjour. Enfin, non. Ça commence bien. 3, 2, 1. Me revoilà tout le monde pour ce nouvel épisode de 3-2-1. Donc j'ai fait le décompte, donc vous voyez comment ça marche. Donc voilà, donc pour cette suite d'épisodes où nous avions dit, je vous avais lâché pour tester le skin de Jace. Mais avant tout, regardez vite fait Sona, vous voyez ici le splash art qui a été changé à droite ici, vous pouvez le voir. Donc nouveau splash art de Sona, elle a été donc une petite refonte graphique. Ça tombe bien parce qu'elle est plutôt mignonne sur cette image. Et voici le splash art de Débonnaire Jace. Je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Donc voilà. Aussi, donc, je vous montrerai là vite fait le petit splash art de Blitzcrank si j'ai le temps, si je n'oublie pas. Je marque ça sur un post-it parce que je vais faire l'editing demain. Boum! Débonnaire Jace. Donc je suis... sur le PBE, comme d'habitude, on a vu tout à l'heure les différents changements que je vais récapituler rapidement. Tac 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 tac, ça, les barres de vie qui ont été changées. Je me baisse, je vais baisser le son principal parce que c'est peut-être un peu fort. Chut! Voilà. Oh! Oh bah ça, alors vous voyez là le. Je sais pas si c'est fait exprès, mais voilà, le cercle d'attaque est différent. On va passer maintenant en forme fusil. Hop, porte. Je sais pas la manier. Je sais pas manier Jace. Wouh! Donc je vais vous montrer rapidement comment ça marche. Hein. Je suis sur le mode dominion pour avoir accès le plus rapidement à mes niveaux. On va faire des achats en. Et donc tout le monde dit, eh oui, il faut le faire ça. Mais non, je vais le faire en full AP. Rabaronne! Il n'existe. Mais oui! Il n'y a pas de Rabadon. Oh là là, c'est sérieux ça. Tu t'y connais bien, Nicolas. Allez, on va prendre au hasard. Hop, Extec Revolver. C'est parti. Donc, certains sont partis top. Moi, je pars top aussi pour rigoler. Parce que tout le monde part top d'habitude. Vous voyez donc, un prend le poste comme ça que ça marche à Dominion si vous ne connaissez pas. Un prend le poste. Et trois montent. Allez, récupérer le poste tout en haut. Donc, je pense que c'est à moi de le faire. Donc, vous pouvez voir. Le nouveau skin de Débonnaire Jace, qui est assez joli, il est même très joli. Charmant, moi j'aurais dit pour la traduction.
Et oui, qui va sauter! Bim! 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 Je connais pas, je connais pas, je le connais pas, je le connais pas, je le connais pas, ça sert à rien, Nicolas, ça sert à rien. J'ai jamais joué Jace, j'ai jamais joué Jace. Donc, on va maintenant reprendre petit à petit. Parce qu'il y a, voilà, il y a des creeps qui vont spawner, donc je vais reprendre les creeps pour essayer. Pour être plus au calme. Donc, on va voir, est-ce que Sona, par contre, a été refaite au niveau de son skin? J'aime bien voir en couleur, mais je ne crois pas. C'est juste son splash art qui a été changé. Hein. Oui, voilà, c'est juste son splash art qui a été changé. Toujours les mêmes skins, donc qui sont les suivants, Arcane Sona et bien d'autres. Voilà, que dire de plus? Donc nous allons maintenant tester tous les sorts. Fais voir ça, ça se tirera sur. Eh non, CAP, ouais, CAD, pardon. Yay! Moi j'ai pas envie. Je vais vous montrer les différents sorts. Donc ça, premier sort en forme. Alors toutes ces formes là, tous ces sorts là seront en forme canon avec le boost de vitesse ici présent, donc qui est très basique. Là, le petit changement d'aptitude pour le passif, voilà, qui vient de disparaître. Je vais relancer dans pas longtemps. En forme marteau. Maintenant nous avons. Il est marteau. En forme marteau, donc nous avons maintenant. Alors là, voilà pourquoi j'ai dû mettre des bottes. Parce qu'il faut qu'il y ait des ennemis pour pouvoir le faire. Si j'avais un marteau. Aïe, je t'aime pas, connard! Il est mort. Donc en forme marteau, on va maintenant aller rendre visite à mes petits copains. Ça sert à quoi ça? Ça sert à quoi ça? Ça sert à quoi ça? Je suis mort. J'arrive pas à vous montrer parce que en fait je suis trop grillé. J'essaie à chaque fois d'aller tuer les ennemis alors que ça sert strictement à rien d'aller tuer les ennemis. Alors Leona, voilà. Alors deux mignons, c'est en mode assez sympathique si vous avez rien à faire. Moi là, je m'amuse, c'est très bien. Alors on va pas vendre ça, mais. Ouh, excusez-moi. Alors, on va vendre ça, on va prendre les items recommandés tant qu'à faire avec le Brutalizer. C'est parti. Donc, maxer le A, je pense, avec lui. Alors, les différentes formes. Marteau, si j'avais un marteau. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc, il y a trois sorts. Le bouclier. Hop, voilà, quand on saute, ça fait toujours des dégâts de masse. Donc, vous avez vu le saut. Et je vous montrerai la suite plus tard. Ouais, bien joué Nico, ça sert à rien ce que t'as fait. Et donc le petit bump, pardon, pas le saut, mais le bump. Boum! Voilà, donc vous connaissez le skin de Jace. Double kill! Voilà, donc c'était le petit bonus de la journée. Boum! Non, c'est marrant à jouer, Jace, il est marrant. Alors, je l'avais jamais joué avant. Bim! Triple Q, KS for the win. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette semaine. J'essaierai de faire un épisode par semaine environ. Petit bonus, un skill shot. Boum, boum! Et allez, allez, allez! Bim! Et je l'envoie dedans. Je passe en forme de truc. Je tire, on retire, on retire, on retire. Et voilà. Bon, vous me direz, c'est des bots, hein, forcément. Donc voilà, c'est tout pour le news PBE de cette semaine. Je sais pas si ce sera la semaine prochaine. Ça dépendra. Tout dépendra s'il y a des mises à jour majeures dans le PBE qui ont grande possibilité d'instaurer. Sachant que celle-ci l'est énormément parce que c'est très pratique. Hein, vous voyez, un autre truc. Pourquoi ça marche pas? Ça marche pas. Parce que normalement, il y a. Ah, too early in the game to equalize the team. Vas-y, lancez le. Oh non. En fait, equalize, qu'est-ce que c'est? C'est quand une équipe est en difficulté. Est en difficulté, tout simplement.
Voilà, donc quand un ennemi est, quand une équipe est en difficulté. Quand une équipe. Je vais y arriver, je. Oh, vous inquiétez pas, hein, je vais y arriver. Donc quand une équipe est en difficulté, l'équipe adverse a le droit d'égaliser la. Le match, c'est vraiment au cas où il y a un désavantage et qu'ils veulent que le match continue. Dans ce cas-là, le nombre de goals sera rétabli, égalisé, le nombre de levels aussi, et le nombre de tourelles détruites aussi, je crois bien, est égalisé. Donc, ce qui permet de rendre le match un peu plus équitable, si vraiment il y a un gros feeder en face, etc., etc. Voilà, vous avez donc tout, tout pour être équipé pour la prochaine mise à jour de League of Legends. Et on se retrouve à bientôt dans un. Non, on se retrouve bientôt, excusez-moi, dans un nouvel épisode de PBE News. Allez, au revoir à tous.